Et maintenant, un des lieux les plus étranges de Lausanne. Devinette, où suis-je? Ah, 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 sûrement un phare. Oui, ça doit être un phare qui traverse le plafond. Eh ben non, pas du tout. C'est une passerelle en métal qui mène à une espèce de tourelle en haut du palais de Rumine. Je suis dans le palais de Rumine. Ce palais, c'est vraiment un lieu hors monde. On est hors du quotidien. Et si on descend, et si on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Une sculpture de Sphinx. Elle est posée à 20 mètres au-dessus de la place de la Riponne. Et quand j'étais petit, j'observais les gens de là-haut. Et une fois, je suis arrivé dans ce même endroit. Il y avait deux policiers qui surveillaient en bas. Je crois qu'ils étaient à la poursuite de dealers. Et il y avait deux policiers placés ici, puis donnaient des informations à leurs collègues par Tokioki. C'était vraiment la course-poursuite. Et on part, attention, le musée nous offre aussi des perspectives. Non, vraiment, Lausanne, il y a des lieux étonnants.